Oh.
corps, changer l'histoire de l'amour de Jésus. Avec moi, pasteur Dormeuil, le message va parler. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, je suis invité à vous redire encore une fois ce matin l'histoire de l'amour de Jésus, la mission du Sauveur bien-aimé. Bien des textes ont été lus. L'un a retenu mon attention, et c'est celui que nous retrouvons en Philippiens, le chapitre 4, le verset 19. Là, il est écrit: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, l'extraordinaire message de l'apôtre Paul aux chrétiens de Philippe est bien plus un renvoi vers le petit enfant de la crèche à Bethléem. J'ai eu l'occasion de porter la parole ici et de vous dire qu'il s'agit d'un rapport de degré, un degré de relation et mon Dieu, un degré d'affirmation pourvoira. Et ce matin, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous sommes arrivés au troisième message pour ce verset. Un degré de solution. Dieu pourvoira à tous vos besoins. Dieu pourvoira à tous vos besoins. Un degré de solution. Le besoin d'un sauveur. Oui, premièrement, le besoin d'un sauveur que l'humanité a voulu. Le besoin d'un sauveur que Dieu lui-même a promis. Le besoin d'un sauveur que des anges ont adoré. Ils ont chanté « Gloire à Dieu dans les lieux terreaux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » Le besoin d'un sauveur que les mages d'Orient ont visité, parce qu'ils ont vu son étoile briller en Orient. Et maintenant, besoin que nous comprenions, ça que fait nos besoins de solution, c'est parce qu'il y a un problème. Et qu'il y a un pile problème. Parce qu'il n'y a personne qui l'a maintenant qui a dit que le Père n'a pas jamais fait face à problème dans la ville. Les problèmes de l'homme sont multiples là. En pile problème. Et problème de divers ordres. Nous sommes capables de dire que problème marché après problème. Lorsqu'on pense au fini, et puis on l'a dit, mais moins. Les problèmes se succèdent. Et ça qui est plus grave, c'est que une pire passe l'autre. Et nous sommes capables de dire que les uns plus coriaces que les autres, ils ont angoissé nous. Parce que des fois, l'esprit est tourmenté. Et le problème qu'on traversé ou pas qu'on partager avec l'autre monde. Et c'est l'esprit qui est angoissé, c'est l'esprit qui a tourmenté. Non seulement l'esprit qui a tourmenté, mais il y a des fois, cœur tellement serré, on a demandé au côté où je mets une corde
pour yon mari cœur comme ça. Et bien le fois, n'a capable de dire, ou tellement ou chercher solution, mais ou finit par rendre compte, c'est ténèbres dans la solution. Et bien, Sidney Guillaume qui écrit un texte, le roi cherchait pour sortir dans la gargote. Gargote tournée pirette. Gargote en haut, gargote en bas. Gargote à droite, gargote à gauche. Et lorsqu'on pensait qu'on finit, on sortit dans la gargote, brille sous coup. Sans attendre, on tournait dans la gargote. Et l'homme, dans une telle situation, a demandé, est-ce qu'il y a une solution? Parce que, on va chercher solution, mais on a l'impression que toutes les portes sont verrouillées. Et là, on parlait de verrou, parce que ce n'est pas n'importe qui cadenas, ce n'est pas n'importe cochette, mais les portes sont verrouillées. Et on parle même moyen pour passer. Et quelle que soit la solution, vous pensez, les solutions sont inconcevables. Alors c'est là, nous sommes capables de dire, grave problème que nous avons confronté nous-mêmes en tant que chrétiens. Et moi, je fais nous voir ça parce que souvent nous lisons le psaume 23. Et au premier verset, psalmiste a écrit dans le psaume 23, verset 1er, l'Éternel est mon berger, n'est-ce pas? Je ne manquerai de rien. Waouh, verset Abel. Verset Abel. Puisque l'Éternel est mon berger, n'est-ce pas? Qui ça me va manquer? Rien ne va manquer. Bel verset. Là, nous lisons dans Philippiens, le chapitre 4, notre verset de référence, l'apôtre Paul écrit au verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Appelez-nous. Est-ce que y a un monde qui peut dire chrétien, ça a toujours raconté fable. Yo jouent une fable dans la Bible et puis ils racontent fable. Ils sont capables de dire, peut-être, est-ce que c'est contre y a tiré? Parce que nous autres haïtiens, nous te comptons tirer contre. Si on s'en fond, et puis l'autre a répondu, bah. D'accord même. En tant que bon haïtien, yo dit petit, petit, plaincaille. Nous répondons, non, nous sommes. Donc, puis là, ici, il s'est oublié la caille. Mais nous mettons fait ça, nous lisons, puis donne pas qu'à oublier la caille. Parce que l'impact de télévision, c'est réuni, nous te réunis dans la croix. Oui, mais, et puis, il s'y répond. Et, m'a dit, nous gagnons un grand homme du nom de Karl Marx. Monsieur dit que la religion, c'est l'opium du peuple. Son bagage pour faire si monde dormi. Mais laissez-moi dire non. Je ne sais pas si nous te suivre les premiers messages que j'ai prêché du haut de cette chaise concernant ce verset. Faut une sorte de relation avec mon Dieu pour nous aller tourner. Yes. Amen. Faut une intimité avec mon Dieu ou contre mon Dieu. Pour l'homme, pas essayer de faire comprendre contre mon Dieu là. Amen. Parce que, moi je dis que pour chrétien, il faut faire expérience à mon Dieu. Il faut que vous passez dans le travail. Mon Dieu, c'est une force aussi. Pour le problème, on dit, vous dites, moi la terre, parce que même mon Dieu, nous sommes là hier. C'est lui que je vous dis, c'est lui qui a fait éternellement. M'a sorti quand même. Besoin de. Et deuxième message là, nous t'es. Courir avec la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moun va comprendre la tienne. Son question.
question de relation, c'est une question d'intimité avec bon Dieu. Avec, à partir de ce moment, je suis capable d'affirmer que je connais bon Dieu par la guerre. Et maintenant, troisième message là, c'est un degré de solution. Mais une solution, mes frères et mes soeurs bien-aimés, une solution qui pour étonner les contradicteurs. Parce que des gens qui pensaient que bon Dieu n'est pas capable. Moi, je dis bon Dieu, non, toujours capable. Toujours capable. Et bon, dis-nous, il y a des bagages qui arrivent dans la vie, c'est pour que gloire de bon Dieu manifeste. Bon Dieu, non, toujours capable. Et les bon Dieu ne va faire, adversaire va troubler. Adversaire va troubler. Parce que bon Dieu n'a rien pour le faire. Et troisièmement, laissez-nous dire, il y a des bagages que bon Dieu a fait dans la vie. Ça peut impressionner le monde parce que c'est miracle. Yes. C'est miracle. Yes. C'est miracle. En effet, nous n'avons pas dit que nous ne reconnaissons pas que le problème existe. Problème, les problèmes dans l'espace terrestre, et des fois, pendant qui côté, ils ont fait coin. Parce que, on nous reconnaît. On nous reconnaît le problème saine et nous côté nous courir. Nous pensons que le problème nous pas venir avec elle et puis nous avons un problème encore. Yes. Tout le monde pensait que niche problème dans son Haïti lié. Là, son niche. Yes. Haïti, nous connaissons les parler de niche. Ok, nous comprenons très bien. Parce qu'on a employé le langage haïtien. On niche problème. Et Haïtien tellement pensé que Haïti son niche problème, je dis bon, ça qui pas qu'à venir ici aux États-Unis, il y a le Chili, ça qui pas qu'à le Chili, il y a le Brésil, problème direct. Et nous-mêmes qui ici aux États-Unis, nous songez, l'un joint visa ça. On dit bon, toute bagaille est réglée. Mes frères, mes soeurs bien-aimés, c'est seul bon Dieu qui a des solutions. L'homme a des solutions. Et ma ouvre une parenthèse pour dire nous, bon Dieu tellement des solutions. Nous sommes gens qui ont tremblé, ça va moi passer. Pour être un taureau, nous ne pas citer nos taureaux. Des taureaux, passer taureau. Et c'est par la foi que nous avons dit ça. C'est pas la foi que je dis ça. Parce que même nous, madame, c'est pas où que tu cherches à vivre là. C'est bon Dieu que tu es là. Amen. Ou pas dépendre de où. Ou pas dépendre de tes. Et c'est là que je veux demander problème, yo, vague sous yo. Pas quitter avant de pécher de dormir. Parce que le problème a toujours des problèmes. Mais mon Dieu a toujours des solutions. Parce que solution, yo, c'est pour gloire, mon Dieu. Et laissez-moi dire non. Haïtien te gagne 5 gouttes pour un dollar. Il a été regardé. Il a regardé aujourd'hui à l'Iwel gagné. C'est 68 gouttes pour un dollar. L'homme est 100 dollars par le monde en Haïti. Nous nous compte la quantité de papier au lac et dans le même. Et puis papier à pas qu'à faire pour lui. Vous parlez de vaisseaux chiliens haïtiens qui étaient Haïti. Vous courir à les Chili. Et puis vous dites, mon cher Pessoa, on est son paquet Pessoa pour qu'il en ait. Mais nous connaissons, bon, dis-nous, regardez. Comptez sur bon Dieu, regardez. Parce que il y a plusieurs mois, peut-être en juin, l'initia me dit nous comme ça que, bon, l'autre monnaie, cryptocurrency, 4 bata à dollars. Et bien, on est là, ce que nous comme ça. En plus, le monde va connaître. Et à cette époque, nous expliquons que pour gagner un bitcoin, on a besoin de 2800 dollars américains. Ou imaginez, un jour, si on dit que sans bitcoin, il y a bancaille.
qui quantité sac d'eau là bien pour côté. Eh bien, nous voulons dire nous matin qu'on est levé. C'était peut-être en juin, même de dire nous 2800. Oh, un bitcoin. $2,800 américains sous besoin d'un bitcoin. Matin, il dit 11,660. Ça veut dire que nous avons un petit sac. Nous avons un petit sac d'eau là. Gardez, comptez sous mon Dieu, Daniel. Pas compter sous carnet banque. Parce que carnet banque t'a quitté. Lorsqu'on est gagné, on dit que 20 000 dollars n'est pas gagné. Pas de bitcoin, mon ami. Après, on a fait frère Moïse, on a demandé, il dit qu'on ne peut pas passer. Maintenant, je voulais dire premièrement, mes frères et mes soeurs bien-aimés, bon Dieu déjà planifié toute bataille pour moi-même à faire. Est-ce que vous entendez ça, Pierre? Dieu a tout planifié pour la solution des problèmes temporels. Amen. Dieu a tout planifié. Dieu a tout planifié pour la solution des problèmes temporels. Je dis bien temporel. Parce que pour qui ça me dit temporel? Bonjour, t'es fait. C'était la date de votre naissance. Bonjour à mourir. C'est la date de votre décès. Et dans l'identité, ça y est, vous confrontez à pas mal de problèmes, mais ce sont des problèmes temporels qui concernaient l'époque qu'on va vivre là. Parce que papa n'a pas de problème encore le matin. On y a c'est moins de problème. Mais bonjour, pas de problème, j'ai petit, pas de problème. Bonjour, petit, pas de problème, j'ai petit, pas de problème. Parce que le problème, non, il est situé dans l'espace de temps qu'on va vivre là. Et les problèmes, on te dit nous de divers ordres, problèmes naturels. Au besoin pour mettre la sous, ça va ça, dehors, Frédéric dehors. Au besoin de caille pour dormir, ça va ça, bagage, dit nous, Frédéric New York. Problème alimentaire, au besoin de nourriture pour qu'il y ait des en vie. Problème matériel, parce que si vous pas gagné gadget, ça y est, de nos jours, en pile gadget, pas vrai? Longtemps en Haïti, nous étions vivre sans téléphone. Mais qu'on y a assez? Soit. Toute la journée. Nous ne pouvons pas vivre sans lui. Pas vrai? Est-ce que nous avons vivre sans téléphone qu'on y a? Et si nous demandons à chaque monde dans l'église, là, nous avons un téléphone. La carrière des marches à faire dans le téléphone. Problème, non seulement yo naturel, yo alimentaire, yo matériel, mais problème yo émotionnel. Oh, laissez-moi dire non. Les problèmes émotionnels sont parfois douloureuses et sont parfois heureuses. Il y a des fois, il y a bon content. Yes. Mais il y a des fois, il pensait que vous ne pouvez pas. Il pensait que. Et il y a des fois, les émotions, l'icône d'ordre passionnel. Vous demandez pour monsieur Crémant avec un petit petit. Et puis, petit petit, là, bon problème. Ou bien, Marie a pas eu un problème. Problème passionnel. Ah, nous n'avons pas même problème d'une sous toute forme. Ou bon bon mari, gloire à Dieu. Mais le bon 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 bon, non, mais oh. Et là, la fait des fois, sous où elle est, c'est un baba, on m'a dit gloire à Dieu. Bon, dis-nous, bagaille. Bon, 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 ça, nous pas qu'à maguer. Bon. Que le Seigneur nous fasse miséricorde. Problème sentimental. Mais le plus gros problème que l'homme a confronté, c'est le problème spirituel. Et le plus gros problème que l'homme a confronté. Imaginez-nous, ça fait en pile la peine. Pour un monde qui est démon sous nous. Et nous connaissons dans le langage en Haïti, le langage que mon gars a utilisé, il dit c'est choix le diable. Imaginez-vous, un être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et les problèmes spirituels menant tellement loin que vous tournez choix le diable. Jésus.
Mes frères, mes soeurs bien-aimés, les problèmes sont multiples, n'est-ce pas? Les problèmes sont multiples et de divers ordres. Et voilà que l'apôtre Paul dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et vous pensez que maintenant, si on a un des côtés pasteur à râler, ne faites-nous ça. C'est tout bagage ça qu'on attendait. Des gens qui ont des oreilles bien tendues pour écouter et peut-être sont capables de poser des questions. Mais pasteur, vous posez tant de problèmes. Qu'en sera-t-il de l'avenir? Et moi, je vous dis, je suis un prédicateur téméraire. J'insiste pour vous dire, et mon Dieu. Ouais, même dans la photo pour lui dire, et mon Dieu. Amen. Que nous vivons d'un niveau ça, mes frères. Ça me sentit là, dans les transfects libanais, pour y comporter, ou même en tant que chrétien, pour dire, hé, mon Dieu, en raison de relation avec mon Dieu. Pour dire, hé, mon Dieu, pourvoira à tous nos besoins. Et mon Dieu pourvoira à tous nos besoins. Et moi, le ballon, pour montrer nous que mon Dieu va jamais faire erreur. Parce que ça le dit, ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplira. Et c'est qu'on fait déjà. Il fait déjà. Et l'homme dit nous fait déjà. Il fait premièrement pour le peuple d'Israël. Il y a des problèmes nationaux. Un problème national. Le peuple, parce que il n'a pas voulu suivre sa bon Dieu, il a retrouvé jusqu'en Égypte. Et là, ils ont passé 430 ans en esclavage. Problème, Marie. Problème. Est-ce que l'on en esclavage? Est-ce que nous pouvons nous arrêter avec l'esclavage là? En bien algané, ça qui passe en Libye. Personne ne peut penser qu'au 21e siècle, tu as des esclaves en Europe. Eh bien, nos frères et nos sœurs sont dans l'esclavage en Libye. Nous devons comprendre, le peuple d'Israël, 430 ans passés en Égypte. Qui a des problèmes, ça? Les enfants d'Israël sont tiraillés par les Égyptiens. Mais nous connaissons, bon Dieu toujours un plan. Ce n'est pas les Égyptiens qui ont un plan pour Israël. Plan pour eux, c'était faire plein de juifs là, subir toutes les atrocités. Et même Jean, bon, dis-nous, parce que je vais ouvrir une parenthèse. L'indépendance ici, c'est bien bon. N'oubliez pas de bon. Nous on sorti matin, nous par contre qui l'a mangé. Parce que depuis au bail d'obo, on va pas faire parce que quand il a faut payer. Donc il est esclavage déguisé. Amen. Amen, oui. Donc il faut faire son autre forme. Amen. Ou pas capable. Mais c'est tout capable. Parler. Mais parler pour elle. Il faut esprit ou la bonne machine non même. Ou on va nous bien bon. Mais, frère, même si vous devez la fièvre à soi, mais demain matin, vous obligez Gaïa, oui. Obligez Gaïa. Esclavage déguisé. Alors, c'est pour vous dire que le peuple d'Israël, on est retrouvé en Égypte, même pour mon Dieu fait provision. Même Jean, pour Dieu fait provision pour vous. Oh, peut-être vous pardonnez, mais vous allez arriver devant le monde. Qui provision? Où est l'enseigné? N'a pas dit quand même. Parce que quand Jésus-Christ vient, quand ça finit. Le Jésus-Christ vient. Je ne sais pas, moi qui compte venir à l'étude biblique en ce moment. Je me pose une question. Pour qui ça Jésus-Christ vient pour lui faire 1000 ans sur la terre? Ah, est-ce que le monde qui vient répond ça? Pour qui